Bah, tu te mets comme ça, puis tu passes devant les flics comme ça. Voilà. Tu vas voir. Et ben, je te promets, arrête! Arrête! Ça donne envie de vomir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Vidéo un petit peu spéciale parce que ma maman a accepté d'apparaître sur YouTube pour tester la Tesla. Et comment dire, vous allez voir, ma mère c'est un sketch. Un très bon sketch, j'adore. Maman, je te fais des gros bisous, je te remercie d'avoir bien voulu accepter d'apparaître sur une de mes vidéos sur YouTube. On a passé vraiment un bon moment. Et vous allez avoir toutes ces réactions sur la découverte de la Tesla. Et franchement, ça vaut le coup d'œil, je vous laisse savourer. Allez, je fais pas plus de com, on envoie la vidéo. Comment les sièges? Ah bah on est bien assis hein. Ah, ils sont bien. Tu peux régler le... Tu sais que t'as un coussin lumbar que tu peux régler aussi. T'as les boutons en fait, t'as les boutons sur le côté. Non mais c'est bien là. Alors tu vois déjà, bah t'as pas de moteur. T'as appuyé, elle est prête à démarrer. On n'entend rien, c'est même pas qu'elle démarre. Non, il n'y a pas de on moteur. Fais gaffe là hein. Oui, oui. Mais les gens ils t'entendent pas arriver. Quand elle est à droite là. Regarde. Quand elle détecte des gens, elle fait des bruits. Si elle détecte tout ce qu'il y a. On n'entend rien. Et ça fait bizarre de dans une voiture où il n'y a pas de bruit. Bah ouais, mais c'est plutôt agréable. Hein. Justement. Il n'y a pas de bruit de moteur. Et ça tremble pas. Vous êtes volant et tout. Vous devez vous emmerder sur la route. Ah non. Et toi, t'es bien installé dedans. Ah ouais, elle est super. Bah moi, je t'ai dit, je peux régler le coussin lombaire. Du coup, je me suis gonflé pour que ça me prenne le dos. Non, non, c'est bien. Regarde, là, je touche pas au frein. Dès que je lâche l'accélérateur, ça s'arrête. Tu vois, j'ai même pas besoin de freiner. Il y a ça aussi. Fais gaffe, là. Oui, mais t'inquiète pas. Oh ouais, non, mais là, ça donne envie de vomir. Arrête! Arrête! Ça donne envie de vomir. C'est de la folie. Tu ne fais pas ça quand même sur la route. Moi, accélérer, non, jamais. Non, mais tu le fais dans des conditions où tu peux le faire. Mais c'est non, mais ça, c'est un départ arrêté, c'est pour te montrer comment ça. Ouais, mais ça donne envie de vomir, on n'est pas habitué, nous, à démarrer comme ça. Nous, on démarre pépère. T'as vu Michel pour démarrer. Déjà qu'on lui dit, oh, mais tu dors. Il est déjà. Mam, arrête, on fait pas ça. Tu sais que c'est 90 là. Mais on est à 90. Regarde. Bon, ça te plaît les accélérations? Ah ben il y a des super... Moi avec une voiture comme ça je serais dangereux, je pense. Parce que j'aurais tendance à accélérer. Parce que ben, tu sais, ça te fait comme si tu étais dans les manèges là, tu sais ça. Oui, 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 tout le monde a cette impression là. On a cette impression là. Je sais pas si Camille, elle aime ses glacés. Elle doit pas aimer trop non plus. Quand t'es passager, c'est différent. Quand t'es conducteur, ah, mais voilà, moi tu me mets conducteur, je te le fais cette accélération. Mais passager, ça donne envie de... C'est comme quand tu fais des essais dans les avions. Oh, regarde, je vais te montrer aussi, tu as ça. Une fois, ça enclenche le régulateur adaptatif et deux fois, c'est l'autopilote. Alors touche le volant, s'il te plaît. Il y a une voiture derrière. Regarde, regarde. Oh putain, c'est les pompiers. Non, c'est les ambulants. Là, regarde. Elle est en autodrive. Bah, tu te mets comme ça, puis tu passes devant les flics comme ça. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Une insolation. Tu vas voir. Eh ben, je te promets. Ah là, elle se déporte. Non, parce qu'elle va se mettre sur la bonne ligne. Regarde. Voilà. Tu vois, regarde, t'as les bandes là. Ah, fais gaffe, il y a les pompiers. Mais oui, mais regarde. Regarde, elle les a vus. Elle les laisse passer. Et là, par contre, de temps en temps, elle me dit, je sais pas, en fait, tu n'as pas le droit d'enlever les mains tout le temps. Ah, voilà. Non, elle est bien. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis qu'elle est bien. T'as vu le GPS et tout, du coup, c'est sympa l'écran et tout. Ah, mais c'est génial. Moi, si je dis à Michel, on achète la Tesla, il va pas vouloir. Parce qu'il va dire, oh, ça va pas. Ah, putain. Si je vomis en rentrant, parce que la galantine, là, que je vais te faire la galantine. Tu sais, les départs en avion. Ah putain. Tu sais, ça fait comme l'avion quand il va monter. Oui, c'est ça, oui. Ben, c'est ça, hein, la pression oui. Que j'ai. Bah oui. Alors quand l'avion il monte, encore que je me demande toujours est-ce qu'il va décoller. Là, on va peut-être décoller. Il fait des fusées aussi, il va savoir si elle va pas décoller. Moi, je pense que la prochaine Tesla, ça sera avec des ailes, c'est obligé. parce que... C'est la modèle 3 perf, elle fait 60 000 euros.
Eh ben, je vais regarder si j'ai gagné au loto. Je te jure, je viens avec 60 000 euros devant chez toi et je roule à 20 à l'heure sur la route. Rien que pour emmerder les gens. Je dis, elle est électrique, mais pas aller plus vite. Ah oui, voilà. Tu dis, c'est un pot de yaourt. C'est un pot de yaourt, elle est électrique. Et t'as, par contre, quand t'es allé à Via Splash, t'as pas peur contre la bugne ou un truc comme ça? Tu as... Ah, mais je te montrerai à l'arrêt parce que quand on roule, on peut pas. T'as un système qui surveille la voiture. Quand t'es pas dans la voiture, il y a toutes les caméras qui filment autour et si jamais il y a le moindre truc, tu sais qui a fait quoi. Et vu que les caméras sont larges, si c'est un mec en voiture, tu vois sa plaque et du coup t'as un tiers identifié. Et tu peux prouver avec ça? Oui. Ça enregistre? Oui. Ah. Tout le temps. Voilà. Et là, si jamais on a un accident, n'importe quoi, c'est enregistré. On sait ce qui est arrivé, oui. Si c'est toi qui as tort. C'est ça. Ah, c'est pas mal. Elle est vraiment bien. T'aimes bien les accélérations? Ouais, ouais, moi j'aime bien les accélérations. Mais moi je te dis, enfin, on n'est peut-être pas prêt pour l'électrique encore. T'as même pas besoin de regarder derrière avec ça. Ouais, si jamais tu t'approches, elle te bip. Ouais, mais moi je regarde quand même. Tu sais qu'il y a un système où elle peut même se garer toute seule si tu prends l'option. Bah écoute, achète un chauffeur, hein. Bah c'est ça, hein, tu as un chauffeur dans la voiture. Moi, tu vois, je suis obligée de l'habitude de me de regarder. C'est pas comme si tu avais un super écran. Mais non, si les gens ils ont vu qu'il y avait une Tesla ici, ils vont nous attaquer la nuit, ils vont essayer de nous... Ils disent, oh putain, c'est des riches. Ouais, ils vont essayer de nous faire la peau, là. T'entends le bruit café quand je recule? Ben on attend, on entend, ouais. C'est comme les secoupes volantes. David Vincent qui est loin. C'est ça. Il va sortir, David Vincent. Tout a commencé avec l'atterrissage d'un vaisseau spatial venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là. Ah, la référence. Mais il n'y a rien, c'est vrai, il n'y a rien. Non, non, t'as rien. Et quand t'as fini, t'appuies là et tu l'éteins. Et tout se ferme automatiquement ou bien t'es obligé de te fermer? Non, moi je... Ah, t'es obligé de fermer les vitres? Non, je le fais parce que par habitude, mais non, quand tu t'éloignes, elle ferme tout en fait. Ah, et là, la caméra se met en route. Ouais, bah tiens, regarde d'ailleurs. Tout, dès qu'elle détecte un truc, elle te lance la visionneuse avec des événements, tu vois. Voilà, donc hier, quand on l'a garé, t'as tout ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Les couples, tu sais, les couples... Donc hier, on était garé dans une rue à Vias, là, quand on est allé boire notre coup, et s'il y a des trucs qui se passent, elle nous dit. Voilà, il y a un point rouge, c'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà. Tu vois, voilà, puis s'il y en a un qui vient sur le côté te la rayer ou quoi, tu vois. Ah, il y a toutes les caméras. Quand même, hein. Donc voilà, t'inquiète, elle est sécurisée. Alors attends, je fais attention. Attends. Tu la rayes, tu rembourses. Hein. Oh, et. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est régalé à la faire. On a vraiment passé un très bon moment. Maman, je te fais des gros bisous. Je te remercie beaucoup. Je me suis vraiment amusé pour ce premier test de la voiture ensemble. Un régal. Ça fait un bon souvenir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mon petit doigt me dit qu'une petite vidéo sur le 0 à 100 sur ma Tesla chinoise devrait pas tarder à arriver. Je sens ça pour dimanche prochain, 17h. Je sais pas pourquoi. C'est une petite intuition. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.